messieurs, je vous accueille au nom du président de la République française pour un des tout premiers événements de la COP21. Ce moment est un moment fort, la veille de la réunion de plus de 152 chefs d'État. Because the Ocean, c'est un projet qui est né au Chili il y a 2 mois seulement. Suite à une conférence qui a eu lieu là-bas. Et le Chili, en sortant de cette conférence, a dit on va faire quelque chose pour la COP21, il faut renforcer la place de l'océan dans cette convention climat, dans cette négociation climat. Et donc ils se sont dit on va créer cette Because the Ocean. Et donc ils demandent plusieurs choses dans cette déclaration, qui est un rapport spécial du GIEC autour de l'océan et du climat. Et ils demandent aussi une équipe, une task force, au sein de la convention du climat. Et on va essayer ce soir d'accueillir le plus de pays possible pour faire le départ de cette initiative. Ce soir, il y avait 4 chefs d'État qui étaient là, il y avait aussi le Bangladesh, il y avait aussi des ministres d'îles du Pacifique, il y a eu la ministre du Canada, il y a eu le prince de Monaco, bien sûr, Madame Royale pour la France, qui soutient bien sûr cette initiative. Et donc, c'est un espèce de meeting pot de beaucoup de pays dans le monde entier, petits, grands, îles insulaires, continentaux. Et je pense qu'on a de quoi, là, mobiliser beaucoup d'autres pays autour de nous. Et avec les partenaires de cette Because the Ocean, on va s'y employer maintenant, pendant la COP, dans les 2-3 années qui viennent. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une action de plaidoyer, de lobbying, hein, c'est-à-dire qu'on convainc certains États à porter une initiative au sein de l'ONU, au sein de la Commission onusienne sur les changements climatiques. Donc on regroupe quelques États qui portent cette déclaration, et après, les ONG derrière, la société civile derrière, on fait des événements, on imagine comment porter ça plus largement vers le grand public, et c'est pour ça que Tara a été invité à être un des acteurs de cette déclaration pour accueillir dans cet espace magnifique cette soirée et pour porter maintenant, pendant, on espère, plusieurs années, cette déclaration et cette envie de placer l'océan au sein des négociations climatiques.